Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour la suite de du duo avec Laura. Donc toujours dans le livre Carré Magique Tsum Tsum. Donc c'est la page 16. Et donc j'ai continué un peu de mon côté et j'ai juste détrouvé les numéros qu'il me fallait. Donc j'ai fait la couleur 6 et j'utilise un feutre Magic Fly. Et voilà. Donc je continue le coloriage. J'espère que vous voyez bien. Ouais. Et voilà. Alors désolé, mon fils est en train de jouer. Il n'a pas fait attention que je faisais une vidéo. Enfin bref, c'est pas grave. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc, on va continuer. Alors, j'aimerais bien terminer aussi le livre Tsum Tsum. Donc, pour ceux qui veulent faire des duos avec moi, il n'y a aucun souci. Là, j'ai bientôt un magazine de terminé. Donc, je vous ferai sûrement une vidéo d'un coloriage que je ferai. Et puis, au début septembre, et je vous ferai la vidéo donc, du livre terminé. Donc, ce sera un montage photo avec musique, sans droit d'auteur, bien sûr. Et donc la vidéo coloriage terminée, donc début septembre. Donc la vidéo, elle sera sûrement mise en ligne pour le magazine terminé dès que j'aurai terminé, tout simplement. Donc ce mois-ci, j'ai prévu de terminer les 4 colos qu'il me reste. D'abord, je me consacre au duo. Comme ça, une fois que ce sera fait, si j'ai d'autres duos, je les noterai. Et voilà. Alors j'ai vu la vidéo de Sylvie et franchement le livre nature me tente beaucoup. Donc peut-être qu'il finira dans mon panier, je ne sais pas encore. Mais elle a fait un coloriage avec des courgettes sur une planche à découper comme ça. Et il était juste magnifique le colo. Donc je sais pas, étant donné que j'ai pas les solutions. Je sais pas trop. Bon, même si j'évite de regarder les solutions. Hein. Sauf s'il y a des erreurs dans les livres.
Je regarde toujours au début quand je les achète et puis ensuite je ne regarde pas. Ou alors si j'ai un duo, je regarde vite fait et je passe vite par-dessus parce que bah, j'ai pas forcément envie d'être... On va dire spoilé par les solutions. Et je sais que un des livres que j'ai commandé, donc Laura m'a dit qu'il y avait des erreurs. Donc il va falloir que je regarde les solutions à chaque fois que je fais un colo dedans. Donc je regarde si j'ai pas d'autres numéros 6 et je reviens. Donc j'ai regardé et je n'ai plus de numéro 6, donc je vais prendre le numéro 13. Alors, le numéro 13, j'en ai là. Donc, moi, je fais toujours les contours d'abord. Ah ben, j'ai bien carré. Bon, je fais d'abord les contours quand je fais les colos. Alors, je sais pas pourquoi, mais en fait, ça m'aide à déterminer une limite. Donc, voilà. Après, il y en a, je sais qu'ils le font pas. Moi, personnellement, je le fais. Parce que je trouve ça mieux. Voilà. Je tourne mon livre. Là, il y a du 13. Là. Voilà. Ensuite, ici. Alors, je sais pas si je vais réussir à faire tous les colos que j'ai mis de côté ce mois-ci, étant donné que en fait, j'ai choisi donc des livres que j'ai déjà colo dedans, que vous avez déjà vu le mois dernier. Et en fait, je fais soit la page suivante, soit je prends une page au hasard, selon les couleurs qui demandent. Et je colorie. Et donc j'ai ramassé juste mon marque-page et du coup j'en ai choisi quelques-uns mais je sais pas encore si je les ferai ou pas. Je verrai selon mon envie, selon si j'ai des duos à faire ou pas. Donc là pour l'instant j'ai fini ce duo-là. Ensuite, avec Laura, j'aurai plus de duo. À moins qu'elle me demandera sûrement par Messenger. On en discutera encore. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre son lien de sa chaîne. Dans la vidéo que j'ai planifiée, il va falloir que je modifie ça avant qu'elle sorte. J'ai pas trop de. Donc je finirai mes duos et je verrai ce que je ferai.
vrai, ça dépend. Parce que là, j'ai fait un coulou, donc hors caméra. Il m'a pris 4 jours. Bon, après, j'ai fait autre chose aussi. Hein. Je vais pas vous cacher. Hein. J'ai pas que colorié dans ce livre. Entre-temps, j'en ai un ferme dans ce livre. J'en ai fait un dans. Dans quel livre déjà? Dans. Je crois qu'il n'y a que ce livre. Donc, voilà. Je ferai la présentation d'un livre qui est un peu spécial à mon goût et que j'aime pas beaucoup. Vous allez me dire, mais pourquoi tu l'as acheté? Bah, tout simplement parce qu'au début, quand j'ai commencé, je les avais tous achetés. Enfin, j'ai acheté tous les premiers livres qui étaient sortis. Et du coup, y a des livres que j'aimais pas forcément, mais pour l'avoir dans la collection, je les ai achetés. Et maintenant, il va falloir que je fasse des courses dedans. Donc, je le trouve un peu difficile. C'est pour ça que je ne vais pas beaucoup dedans. Mais bon après il n'est pas si nul que ça, il est bien, hein, mais c'est pas un des livres où je vais aller tout de suite dessus, en fait. Mais je vais préférer prendre un autre livre pour colorier. C'est pour ça que vous l'avez pas encore vu, mais je vais vous faire une vidéo dessus. C'est, je sais pas si vous connaissez le livre Poème. Il est très très spécial et ça va pas plaire à tout le monde. Donc voilà. Au début, il me plaisait bien, mais au fil du temps, j'aime un peu moins. Et puis c'est pareil, je le vois pas beaucoup sur YouTube, donc autant vous le présenter. Peut-être qu'il plaira à quelqu'un. Et je pourrais faire des duos avec cette personne. Et pour l'instant, eh ben, je connais personne qui a ce livre. Donc pour le trait, j'ai normalement tout détouré. Donc on va prendre la plus grosse pointe et on va tout simplement remplir ce que je viens de détourer. Faut aussi que je vous fasse une vidéo Diamond Painting. Donc, je pense que je vais bientôt vous la faire. Carte à gratter aussi. Et j'ai vu sur
Amazon Vidéo, ils ont ajouté de nouvelles séries, enfin des suites de séries que j'ai déjà commencé à regarder. Donc je pense que je vais me faire une petite série avec mon homme. Enfin, continuer une série aussi dans peut-être ce week-end. Je ne sais pas encore. On verra ça si il a rien de prévu à faire. On va faire ça un soir, vendredi ou samedi, je sais pas. Quand il aura envie. Parce que il est pas mal occupé en ce moment, donc s'il a pris du retard à cause de ma série là que j'ai regardée début de semaine. Alors du coup, ben, il n'a pas pu faire ce qu'il avait envie de faire. Alors j'espère juste que je ne me suis pas plantée. Parce que ce truc-là, ça me paraît un peu bizarre. Dans le coloriage, enfin je sais pas, ça fait un peu bizarre. On dirait des cornes. Je sais pas. Je trouve ça vraiment très 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 bizarre. Peut-être un arbre. Ouais, peut-être plus un arbre. Je sais pas. On verra quand il sera terminé. Donc je sais pas en combien de parties sera ce colo. Je fais doucement, étant donné que ben j'ai le temps. Je ne suis pas pressée. Et bah, ça me fait toujours plaisir de faire ça en vidéo. En même temps. C'est fait pour se détendre et pas pour se dépêcher le coloriage. Donc autant le faire tout de suite correctement. Que j'ai. Ah ben non, là j'en ai encore du 13. Samedi dernier, on s'est tapé une tempête. Alors je vous explique pas, les éclairs ils étaient roses. Mais ils étaient tellement beaux. J'aime pas les orages d'habitude, mais alors là, j'étais à la fenêtre en train de regarder. D'abord, je pensais que c'était une petite tornade, mais finalement, non, c'était vraiment une tempête. Et elle était assez violente. Donc, voilà. Il a flotté, enfin, il a plu dimanche. Bon, dimanche, je m'en foutais un peu parce que on n'était pas à la maison. On était invités. Donc, qu'il faisait moche ou pas, c'est pas si grave. Donc je vais faire un petit peu de 15. Bah, d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup. Donc autant le faire, le 15. Alors, j'utilise toujours la petite pointe pour faire ben, les contours. Et puis, ben, après, la grande pointe. Faire le remplissage. Moi, j'appelle ça comme ça. Je crois que c'est tout ce qu'il y a en 15 ans, hein. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Je regarde, mais il m'a pas l'air d'y avoir du 15 ailleurs. Donc c'est parti. Ouais, à mon avis, ça doit être le reflet du
du truc en verre qui a. Enfin, comment on appelle ça? De la cloche en verre qui a. C'est le dessus de reflet, je pense. Qui a. Sur la rose. Alors, et ensuite, on a du 14 et on a encore du 12. Et par contre, le 12, il y en a beaucoup. Et bah, il me reste le 5. Mais le 5, j'en ai pas trouvé. Alors, je sais pas où ils ont vu le 5. Mais je crois que c'est une erreur. Ou alors, c'est peut-être moi qui... qui ne voit pas clair. Alors. Non, il n'y a pas de 5. Alors, je mets juste pause la vidéo et je vais juste regarder la solution. Je reviens. Donc, en fait, c'est moi qui me suis trompée là dans le rose. J'ai pas fait attention dans le visage. Et il y a bel et bien du 5. Donc, heureusement que c'est une couleur très foncée. On repasse dessus et on n'y voit plus rien du tout. Donc voilà. Ouais. Il va falloir que je fasse un peu plus attention parce que là, franchement, je les ai vraiment, mais vraiment pas vus. Heureusement que c'est une couleur foncée que je mets par-dessus du clair. Alors, on n'y voit absolument rien, bien sûr. Mais si ça aurait été l'inverse, ça aurait été problématique. Donc voilà, je pense que pour le 5, il n'y en a plus. Enfin, j'espère pas. Je vais quand même vérifier. Bon, je vais essayer de vous cacher un maximum. Ouais, il n'y en a plus. Donc pour ça, c'est bon. Pour le 5, c'est terminé. Donc on va s'attaquer au... je sais pas. Combien de temps je peux filmer et ça m'embête, donc on va s'arrêter à 30 minutes et ben on fera le reste. Il y aura une troisième partie, hein, tant pis, c'est pas grave, c'est pas si grave. Alors on va faire le 12. Alors moi j'ai pris pour le numéro 12. Alors avec Laura, on n'a pas choisi les couleurs ensemble, on aurait pu puisqu'elle a aussi les aquamarqueurs. Mais je trouve ça plus marrant de choisir ces feutres. J'aurais pu lui dire prends tel et tel pour tel et tel numéro, mais non. Je trouve ça plus marrant de faire comme chacune veut. Parce qu'elle n'a peut-être pas forcément envie d'utiliser les mêmes feutres. Et puis on n'a pas forcément les mêmes feutres aussi. Donc voilà, moi j'ai pas les Arteza que elle a acheté il n'y a pas longtemps, je les ai pas ceux-là. J'ai les autres avec la pointe pinceau, mais je n'ai pas enfin, la pointe pinceau, je vous montrerai dans la vidéo parce que vous n'allez pas comprendre puisque ceux que elle a acheté il n'y a pas longtemps, ils ont aussi une pointe pinceau. Donc, moi j'ai les 96, je crois, et elle, il y en a 100. Je ne sais même plus combien il y en a dans la boîte. Il faudrait que je vous montre ça. Mais comme je vous ai déjà dit, je ne sais pas trop comment vous présenter la vidéo, mon matériel. Donc, va falloir que je trouve une petite... solution parce que sinon ça va durer 3 heures. Alors soit je vous fais par feu de crayon, mais crayon je n'ai pas des masses, enfin quoique je sais pas,
Ou si vous préférez juste savoir ce que j'ai au niveau des feutres, dites-moi. Bon après, des feutres, vous allez me dire, ça reste des feutres, hein. Chacun utilise ce qu'il veut. Bon, je sais pas en fait comment faire. Étant donné que mon téléphone n'a pas beaucoup d'espace de stockage, bah, je suis obligée de compresser les vidéos pour qu'elles soient moins lourdes. Autrement, elles font 4 gigas. Donc, je suis obligée de les compresser pour qu'elles soient moins lourdes et pour qu'elles prennent moins de place. Donc, c'est un peu. Donc, je sais pas comment faire. Je sais pas si je monte le tout. Ou si je ferai pas un live à la place sur mon groupe. Justement pour vous montrer le matériel que j'utilise. Je sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Je sais pas du tout. Parce que quand on débute, c'est bien, mais quand on commence à accumuler, accumuler, accumuler comme moi, parce que moi j'aime bien tester de nouvelles choses, tester de nouveaux matériaux, pardon. Bah, du coup, après. Faire les vidéos présentation matériel, c'est un peu compliqué. Je sais pas, il faudra que je voie comment je vais faire. Mais vous inquiétez pas, vous aurez la vidéo. Faut juste que je m'organise un peu. Mais voilà. Donc. Vous aurez la troisième partie de ce coloriage. Alors pour celles qui regarderont, merci beaucoup. Hein, c'est cool. Mais pour ceux qui ne regarderont pas, bah, désolé pour vous. Je pensais que j'allais pouvoir terminer en deux parties, mais en fait non. Des fois. On pense pouvoir terminer, mais parce que ils sont assez rapides. Celui-là avec du duo avec Caro, enfin du défi de Caroline, il était super rapide. Mais alors autant celui-là, il est quand même un petit peu long. Donc il y aura une troisième partie. Donc. On va terminer ça ensemble et je pense que j'arrêterai la vidéo et bah, on se retrouvera pour la dernière partie du colo. Donc désolé, hein, vous allez avoir trois vidéos d'affilée du même livre. Parce que là, j'ai pas d'autres vidéos sous le bras. Donc bah, je suis désolée. Pendant 3 jours d'affilée, vous allez retrouver ce livre. Bon, après, j'essaierai de changer quand même un peu de livre hein, parce que je ferai pas tout de suite le duo avec Sylvie dans ce livre, sinon vous allez faire une overdose de Tsum Tsum. Donc j'attendrai un petit peu et puis de toute façon, elle m'a dit qu'elle la mettrait pas avant septembre, je crois. En ligne, donc il y a le temps, ou peut-être fin août, je sais plus. Faudrait que je lui demande quand est-ce qu'elle compte la mettre en ligne, quand elle l'aura fait. Donc voilà. Donc on termine la ligne et puis après, bah, je ferai mon montage et tout ça et on se retrouvera. Pour la troisième partie. Alors, on a bientôt terminé.
Et voilà, donc on a terminé la ligne. Donc nous, on va s'arrêter là pour le moment. Et on se retrouve pour la fin de... Enfin, la dernière partie de notre coloriage Belle et la Rose éternelle. Je vous dis à la prochaine. Bye bye!